Yo tout le monde, c'est Funnyville, on se retrouve aujourd'hui pour un nouveau duel à vocation sur le jeu Dragon Ball Legends ou contre mon fils Aïssa. Comment vas-tu? Ça va très bien, coucou tout le monde. Coucou tout le monde, il est à fond dedans. Alors on rappelle, on va faire des invocations pour obtenir le Gohan SSJ2 Ultra car Aïssa ne l'a toujours pas, donc il aimerait l'avoir, n'est-ce pas? Oui. Bon, très bien. Et moi je l'ai déjà, 5 étoiles. Mais j'avoue, si je pourrais avoir un petit doublon... Tu vois, ça serait vraiment pas mal. Bref, les amis, comme d'habitude, max le pouce bleu en mode Genki-Dama. N'hésitez pas à réagir dans l'espace commentaire et me dire si pour vous aussi, le Gohan SSJ2, c'est le top 1 personnage des Legends. Mais j'avoue, ça peut se taper avec le Super 17. Bref, on verra bien, surtout dans cette saison PVP qui a recommencé avec le mode classique. On va partir du coup en invocation. T'es prêt? Oui. Tu veux commencer? Oui. Eh ben vas-y, commence. Allez, let's go. Ike ! Donc on rappelle, hein, voilà, l'ultra, on va pas se mentir, tu le chopes, fin du game, t'as gagné, t'as vu. Les LF c'est 3 points, les Sparkling c'est 1 point, l'effet Kaul c'est x2, long chargement. Jaco ? S'il y a Badak, c'est l'ultra. Il y a pas Badak, dommage. Mais Jaco et CJ c'est pas mal. Jaco et CJ c'est pas mal. Ok. Ok, bon, Sparking garanti. Avec Jaco et le SSJ, sait-on jamais. Ça peut tomber, hein. Si on voit la grosse sphère bleue arriver. Allez, attention. Attention. La sphère bleue. La grosse sphère bleue. Allez. Allez. Ok. Vegeta number one. Ok. Ok. Et le Gohan. Ok, encore. Oh, fait K.O.T. Oh, t'as déjà 2 points. Plus encore 2 points, t'as 4 points. Il a pris 4 points quand même, le petit loustique là, en une multi. C'est quand même pas mal. Mais bon, toujours pas de Gohan pour l'instant. Mais, t'as pris des points. C'est déjà ça. J'ai envie de te dire, c'est déjà ça. Bon, à papa maintenant. Moi, si je leur fais tomber, les gars, on est bien parce que on n'oublie pas, je les fais tomber en seulement 3000 cristaux. Donc, masterclass, du coup, let's go, c'est que du bonus. 3, 2, 1, yeah, c'est parti, allez. Et max de pouces bleus en mode Genki-Dama, comme j'ai pu vous le dire. Let's go, fais plaisir le jeu, fais plaisir. Namek de la Hesse. SSJ sur la planète de la Hesse. Toi, c'était un peu mieux parce que t'avais Jaco. Ok, je prends l'avantage, glisser hors, bon de toute façon c'est Sparking garanti. Ok, de toute façon c'était Sparking garanti quoi qu'il arrive. Voyons voir, hein. Moi, je suis tout oui, ça peut retomber. Hein. Si ça retombe... Là t'es bien. Ah bah oui, là clairement on sera bien si ça retombe. Là c'est clair et net. Tu l'auras 7 étoiles, je crois. Je crois que du coup il passerait à 8 étoiles, de 5 à 8 je crois. C'est énorme. Ah bah oui, ça sera énorme en étoile. Alors là, c'est le petit Gohan, revive. Oh! Ok, le sel. Ça fait 2 points. 4 à 2 pour l'instant. Champaillex. Oh! Ok. Ok! Lichenron. Ok. J'ai pris quand même 3 points. En vrai, ça va au niveau des points. Comme ça, j'ai réussi à rehausser un peu l'écart. Du coup, 4 à 3 pour Aïssa. Et là, attention. Taux d'ultra x2. Oui. Là, c'est maintenant. Toi, c'était taux d'ultra x2. Ouais, je crois que c'était ça. Je l'ai fait tomber sur le taux d'ultra x2. Le gamin, il sait mieux que moi en plus. Mais je crois que t'as raison, je crois que c'est ça. Là, faut que t'essayes d'avoir les montagnes ou l'espace. Trunks, Badak. Vas-y, allez, let's go. 3, 2, 1, Ike. Ike, allez. Fais-nous rêver. Fais-nous rêver, mon gamin. Ok, let's go. Long chargement. Long chargement. C'est pas mal. C'est pas mal. SSJ Blue sur le taux du train x2. Donc là, 2 Sparking garantis. En sachant que t'es sur le taux du train x2. Vegeta Blue, si t'as Vegeta Blue, c'est ultra garanti. Vegeta Blue? Vegeta Blue? Oh! Pas de Vegeta Blue. Mais! Ça peut tomber. C'est ton jamais. C'est ton jamais. Ok. Oh, tu l'as pas? Alors, c'est Gohan. Tu ne l'avais pas, tu prends quand même. Oui. Ok, bon, très bien. Ouais, ouais, il est intéressant. Franchement, il est intéressant. Ok. Donc, t'es à 5. 5 à 3. Ok. Ok.
5 à 3 pour l'instant. Jaco. Yamcha. Baby Vegeta. 5 à 3. Il y en a un deuxième, normalement. Il y en a un deuxième. Ok. Ok, ton ultra fois 2, il y en a un deuxième. Oh, tu l'as pas? Black Goku Rosé. Tu ne l'avais pas. Bon, au moins, voilà. 6 à 3. Ah, il n'y en a pas d'autres. Ok, bon. 6 à 3, c'est pas fini. Il en reste d'autres. À mon tour maintenant, parce que papa aussi, il a ton ultra fois 2. Et papa, par contre, il peut le refaire tomber. Et vu qu'on l'a déjà fait tomber sur ton ultra fois 2 une première fois, on peut le refaire tomber une deuxième fois. Eh oui, mon garçon. Regarde bien. Regarde bien comment on fait. 3, 2, 1, yeah! Allez, et on demande les montagnes, et on demande du badak, et ça tombe, n'est-ce pas? Oui. Oui. Ou du Trunks. Ou du Trunks, effectivement. Ou la planète de la Haïsun capsule. Ah ouais, là on est loin des montagnes, de badak, de l'espace et tout ça, on est loin là. Ah ouais. Ah ouais. Après, Fake Out Ultra, on y croit aussi. N'est-ce pas? Donc là, il y avait 6 à 3. 6 à 3 pour Aïssa. Ok. Je peux pas avoir un Fake Out de dingue qui fait tomber l'Ultra. 6 à 3. Goku. Stardust. Cell. C17. Fake Out. Et le freezer, bon, ça me fait 2 points de plus. Ça fait 6 à 5. 6 à 5, du coup. Ok. Le freezer, au moins, qui est tombé. Vas-y, à toi. 6 à 5 pour Aïssa. 1, Ike. Allez, let's go. Voyons voir ce qu'il peut essayer de choper. Voyons voir, voyons voir, voyons voir. Ok, long chargement, long chargement. Pelle de la Hesse encore. C'est pas foufou, hein. C'est pas foufou, pas de badak, glissé rouge, ok, et tu prends le dessus, parce que c'est sparking garanti, mais c'est pas foufou, hein. Après, c'est ton jamais, effectivement, il commence à prendre mes expressions, ok, Dodoria, Cyberman, Thomas, c'est pas ouf, hein. 10. Ok. Black Goku. 7 à 5. Bon, 7 à 5. Ok. À mon tour. 3, 2, 1. Ike ! C'est parti. Ça, c'est du Ike, ça. Tu vois, c'est pour appeler les montagnes ou l'espace, quand tu fais comme ça. Ou Namek en feu aussi, tu vois. Ouais. Ils m'ont regardé. T'as bien fait de me regarder comme ça. Planète de la Hesse. Planète de la Hesse. Ok. Ikuzo. Puis c'est bleu. Ok, sparking garantie, mais c'est pas dingue. Hein. Franchement, là, les animations qu'on a, c'est vraiment, vraiment pas dingue. Hein. Moi, tout ce que je veux, c'est un doublon. Je veux un doublon. Je veux un doublon, tu vois. Et après, ça y est, c'est bon. Après, on est bien. Ok. Ok. Gohan. Tenshinhan. Gohan. Rosie. C'est à 6 pour Aïssa. Ok. Bon. Bon, bon, c'est pas fou, hein. Oui. On l'a fait ensemble, celle-ci? Oui. Allez, 3, 2, 1, Ike ! Allez, c'est parti, on l'a fait ensemble. Voyons voir les animations qu'on va obtenir. Belles animations pour la dernière et des belles animations. Allez, 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 fais-nous kiffer, fais-nous kiffer, fais-nous kiffer. Tao Pai Pai. C'est vraiment pas dingue, hein. Toi, t'as le SCJ. Glissé hors pour toi. Toi, tu prends le dessus. Vegeta Blue. Vegeta SCJ. Vegeta SCJ. Ok, let's go. Final Flash. Sait-on jamais le Final Flash de Vegeta, tu vois.
Ok, Zamasu. Dino. Sozer. Il y a 7 à 6, on le rappelle, pour Aïssa. Ah ouais. Ah ouais. Ah ouais. 8 à 7, et voilà. T'as gagné ce duel, toujours pas de Guan par contre. Ça va, t'es pas trop dégoûté? Ouais. Ouais, c'est bon. Ça va? Tu tiens le coup? Oui. Ouais. Il faudra que je reforme parce que j'ai 33 cristaux. Ah bah là, oui, par contre, va falloir que tu reformes, effectivement, t'as 33 cristaux. Parce que son compte est free to play, les amis. Dès qu'il a des cristaux, il invoque, mais il récupère tout dans le jeu. On ne lui a jamais mis un centime sur son compte. Donc bon, voilà, c'est comme ça les amis. Bref, Max, le pouce bleu en mode Genkidama, n'hésitez pas à réagir dans l'espace commentaire. Abonnez-vous à la chaîne YouTube si ce n'est toujours pas fait, en activant la cloche pour recevoir les notifications prochainement encore des pack openings sur le jeu Dragon Ball Fusion World. J'espère qu'on aura également du lourd. C'est cool en ce moment, on fait du DB Legends, du Fusion World, c'est plutôt pas mal. Et n'oubliez pas, la passion passe après les priorités. Ciao, ciao. Mettez un pouce bleu sur la vidéo de Sofiane le Geek. Sinon, la colère de Freezer s'abattra sur vous.